Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que Dieu vous protège. Depuis hier, j'ai envie de vous parler de cette affaire, mais je ne sais pas par où commencer. Je suis là, je regarde cette histoire jusqu'à je me dis, tiens, vraiment, où va le monde? Mais où va le monde? Je suis choqué. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui fait polémique. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un célèbre basketteur qui est face à sa femme qui veut divorcer. Deux semaines après la naissance de leur bébé. Ce monsieur s'appelle P.G. Washington et cette femme s'appelle Brittany Rainer. Vous voyez, le monsieur, il est riche. Il est vraiment très riche. C'est un footballeur, c'est un basketteur professionnel. Et tout bon pour lui, tout va bien pour lui, il n'y a pas de souci à ce moment, à ce niveau. Apparemment, les deux sont mariés, mais la fille, dès qu'elle a accouché, elle a attendu deux semaines. Et après les deux semaines, elle a demandé le divorce. Après cette histoire de procédure de divorce, apparemment, le monsieur doit verser des pensions alimentaires à hauteur de 200 000 $ par mois. Tiens! 200 000 $ par mois de pension alimentaire pendant 18 ans. C'est-à-dire jusqu'à ce que son enfant ait 18 ans. Il doit donner à la fille 200 000 $ par mois. Qui? Mais ce n'est pas tout. Le tout encore, c'est que cette fille a fait une vidéo où dans cette vidéo, elle donne un conseil aux filles. Et vous savez quel est son conseil? Elle dit aux filles, écoutez, la plupart des footballeurs professionnels, ces stars-là, quand elles couchent avec vous, elles ne se protègent pas. Donc, si vous voulez vous faire de l'argent, il va falloir coucher avec des sportifs de haut niveau, des sportifs très riches. Et puis, garder le bébé et après, demander le divorce pour qu'on puisse faire une pension alimentaire. Les gens disent, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème avec cette fille-là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Moi-même là. Donc, j'étais choqué. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça encore? Quand tu es pauvre, elle dit que tu n'as rien. Quand tu es riche maintenant, elle veut t'escroquer. Tiens, ça c'est devenu de la naque à ciel ouvert. Mais ça a abusé. Je suis même choqué. Quand j'ai vu sa vidéo, sa réaction, cette réaction, je me suis dit, il faut que je vous en parle parce que moi, je ne peux pas accepter ça. Tu vas prendre une fille. Elle n'a rien. Dieu merci, toi, tu as une situation. Tu vas essayer de la faire sortir de la tête du tout. Et après, c'est elle maintenant qui cherchera à t'enfoncer. Vous couchez ensemble, elle tombe enceinte. Tu dis que oh, tu as marié, tu as abusé une femme. Et après, dès que l'enfant naît, deux semaines après, elle demande divorce. C'est-à-dire que jeune dans sa tête, hein, c'était l'argent depuis le départ. Depuis le début de cette relation, elle était consciente que c'était money.
Mani. Elle était dans cette relation-là. À cause de quoi? À cause du fric. À cause du fric. Les hommes riches en danger. Ça, c'est un truc hors du commun. Elle était là pour sa thune. Donc, elle avait mûri cette idée. Elle a mûri cette idée elle seule ou bien ce sont ses amis qui lui ont donné ce conseil. En tout cas, quand elle va lancer rien, elle n'est pas avec ses amis. Elle est seule. Ah! Non. Maintenant, l'enfant va grandir comment? Comment est-ce que l'enfant va-t-il grandir? Il va grandir avec sa maman. Elle veut devenir une baby-maman. Hey! Donc, elle veut devenir une baby-maman. Et puis, juste toucher de l'argent, c'est l'argent actuellement qui intéresse. Mais pas le fait que. Pas, elle s'en fout de la famille, quoi. Elle s'en fout de cette histoire de famille. Genre, l'enfant va grandir dans une famille. Papa est là, maman est là, ça s'entend, l'amour, la joie, la chaleur. Là. Elle s'en fout de ça. Elle a troqué cela pour de l'argent. Pour de l'argent. Quand j'ai vu ça, j'ai prié pour que ça ne soit pas vrai, cette histoire. Est-ce que c'est vrai? J'ai encore du mal à y croire. Mais tout le monde en parle. Sur les réseaux sociaux, ça fait polémique en ce moment. Moi, ça m'a vraiment donné des frissons. Je me suis dit qu'il y a plein de filles là dehors qui sont comme ça. Elles ne veulent pas se marier. Elles ne veulent pas fonder de foyer. Elles sont là juste pour la thune. Elles ont des stratégies bizarres. Vous vous mariez en même temps, tout d'un coup, elle demande le divorce. Parce qu'elle veut une partie de vos biens. Parce qu'elle veut une partie de votre argent. Elle veut partager cette thune avec vous. Même pas avec vous, mais elle veut tout prendre. Ce que tu n'as pas semé, c'est ce que tu veux récolter. Ce qu'elle n'a pas semé, c'est ce qu'elle veut récolter. Il y a un collègue qui a dit que, ah, si c'est comme ça, là. Nous tous, on va se faire, on va jouer le pauvre, on va faire le pauvre. On fait semblant comme si nous sommes des pauvres. Juste parce que nous cherchons une vraie go, une go sincère, une go qui ne va pas nous aimer pour notre argent. Vraiment, le monde va mal. Et aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Les stars ont plein de problèmes de ce genre. À cause de quoi? À cause de leur position dans la société, à cause de elles-mêmes leur propre argent. Si la go là, elle est une bonne, si la femme elle est une bonne femme, elle est bon cœur, c'est le gars qui sera un escroc. Si le gars lui il est un bon cœur, c'est la fille là qui sera escroc. Le monde est mélangé. Il faut savoir choisir. Il faut maintenant savoir choisir. Moi, je vous dis un conseil sérieux. Ne choisis plus jamais quelqu'un à cause de sa beauté physique. Bien, je vous dis, mais dès que vous voulez choisir un homme ou une femme, si vous êtes un homme, s'il vous plaît, fermez les yeux sur tout ce qui est physique sur elle. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir qui est la fille en réalité. Et quelles sont ses intentions? Posez-vous la question. Posez-vous même cette question à Dieu. Posez cette question à Dieu. Dites à Dieu. Dites Seigneur, mon Dieu. Dites Dieu. Pardon, faut se sentir pauvre. Faut me dire. Est-ce que la fille que j'ai posée là, je pourrais aller très loin avec elle? Est-ce qu'elle va me tromper? Est-ce qu'elle va me décevoir devant? Si tu es une femme, puis fais la même chose. Faut dire, oh Dieu, regarde l'homme que je veux prendre. L'homme que je veux. Que je veux épouser, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est la personne qu'il faut? Est-ce que cette personne va pas me créer des problèmes plus tard? Il y a des femmes qui tuent leur mari, il y a des hommes qui tuent leur femme. Le monde est mélangé. Des filles qui sortent avec des hommes pour leur argent, des hommes qui sortent avec des femmes pour leur argent.
Où êtes-vous? Où êtes-vous? Moi, ce sont des choses qui me sont arrivées plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois. Et c'est une chose bizarrement, ça arrive aux gens qui sont de bonnes personnes. En fait, c'est comme si le monde avait été aménagé hein, pour que ça arrive, quoi. Pour que les bonnes personnes tombent sur de mauvaises personnes. Et des mauvaises personnes tombent sur de bonnes personnes. Ça, là, vous ne devez pas accepter ça. Vous ne devez plus accepter ça. Moi, j'ai vu, je vois des sorciers, des couples de sorciers. Les deux s'entendent bien parce que les deux sont mauvais. Le monsieur est mauvais, la femme est mauvaise, les deux s'entendent bien, il n'y a pas par là-bas. Mais si c'était le contraire, Jean était bon, puis l'autre était mauvais. Hey, chaque jour, vous allez venir séparer par là. Chaque jour, la bombe peut sortir dedans. Vraiment, mes frères, faites attention, hein. Surtout quand vous avez de l'argent. Surtout quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes riche. Faites vraiment très attention. Aujourd'hui là, avoir un bon cœur, c'est devenir un péché. Aujourd'hui là, être gentil là, c'est devenir mauvais. Parce que quand tu es gentil, que tu es bon, et que tu veux même faire sortir les gens du tour là, eux cherchent à t'enfoncer. C'est comme si tu disais, mais ah, nous sommes dans le tour, est-ce qu'on t'a demandé de venir nous aider? Est-ce qu'on t'a demandé de venir nous faire sortir du tour? Vraiment, je suis vraiment choqué par cette nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, sincèrement, je suis choqué. J'espère qu'elle va vraiment se repentir et retourner chez son mari. Au cas où, il n'y a pas d'autre problème. S'il y a d'autres problèmes, hein, et d'autres problèmes vraiment qu'elle a cachés, on va dire, ok, ça peut se comprendre. Elle ne veut pas mourir, c'est pourquoi elle a fui, elle demande le divorce. Mais si c'est pour la thune, comme elle a dit. Parce qu'elle a dit, elle a fait une vidéo. Le problème, c'est qu'elle a fait une vidéo où on parlait. Où elle parle ouvertement de ça. Elle dit que si vous, les filles, vous voulez vraiment faire de la thune, allez coucher avec les sportifs de haut niveau. Et tomber enceinte. Parce que la plupart des sportifs n'aiment pas se protéger. Donc, c'est une belle opportunité pour vous pour faire des affaires. Ça, c'est un nouveau métier. Un nouveau métier. Faites attention, les amis, les gars. Vous êtes au courant maintenant. Voici le nouveau plan. Vous êtes au courant. Je vous vois. Vous voyez, vous êtes au courant. Elles sont venues se converser. Faites très attention. Si vous n'aimez pas vous protéger, restez là chez vous, tranquille. Si vous voulez des problèmes, allez les voir, elles sont même prêtes pour vous aujourd'hui. Elles sont même en tas comme ça. Donc vous allez apprécier. Que vous divisez votre argent par trois. Vous serez choqué. Il y a certaines personnes qui ont décidé mais de tuer la femme et de se donner la mort parce qu'ils n'ont pas pu supporter ça. À cause de cette décision, cette situation, ces gens ne pourraient plus jouer de debout. Imaginez, 200 000 dollars par mois, tu dois donner. C'est comme si on disait 200 000 euros. Calculez. 200 000 euros. Par rapport à quoi? Voici ce qui arrive quand tu es riche. Tout le monde veut devenir riche sans savoir les retombées. Les choses qui sont derrière. Seigneur, pardon. Donne-moi ce qu'il faut. Pardon, je vais être juste au milieu. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas de problème. Pardon, frère, c'est son pro. Je suis ton fils. Ha! Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment. Ma soeur, si tu regardes cette vidéo, please, s'il te plaît, pour voir ta position. Le pointeur doit payer cash. Là, maintenant, ce n'est plus une histoire de pointeur. C'est devenu une histoire de l'enceinte doit payer cash. Le monde fait mal. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve
toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.